Bonjour, nous allons cuisiner des beignets de bananes plantain sucrées. Elles sont tellement délicieuses, je vous conseille de les essayer. Donc vous aurez besoin d'une banane plantain, d'œufs, de lait, d'essence de vanille ou de rhum, de la farine, du sel, de la levure chimique ainsi que du sucre. Donc réduire la banane plantain en purée à l'aide d'un fouet ou d'une fourchette par exemple, rajouter du sucre et mélanger. Ajoutez votre lait, donc on utilise du lait évaporé, donc ça donne un meilleur goût au beignet, mais vous pouvez utiliser n'importe quel lait de vache. Donc. Rajoutez votre œuf et vos essences, donc on utilise de l'essence de vanille ou de rhum, mais n'importe quelle essence va fonctionner, donc essence un peu d'orange, etc. va fonctionner, mais n'en rajoutez pas trop vraiment parce que sinon vous risquez de vraiment cacher le goût de la banane plantain. Rajoutez votre mélange de farine qui contient de la farine, du sel et de la levure chimique et mélangez un peu plus longtemps. Donc si vous utilisez un fouet, vous n'aurez probablement pas de grumeaux dans votre pâte. Recouvrir 20 minutes et puis faire frire à l'huile chaude. Donc cela prendra un processus assez rapide et ça prendra environ 1 à 2 minutes. Et on utilise environ une cuillère à soupe par beignet. Cela est fait exprès pour assurer que tout le beignet est complètement cuit à l'intérieur. Donc elle est vraiment recommandée cette recette. Vraiment, je vous la conseille. Consommez chaud et moelleux parce que à température pièce et à l'air libre, les beignets deviennent de plus en plus durs. Donc si vous ne les mangez pas, conservez-les dans un récipient hermétique. Et essayez-la.